On est au Baroque pour la prestation de l'artiste Thomas Hudson et on est avec Marie-Claude Jolie Bergeron qui est la propriétaire du Baroque. Alors Marie-Claude, expliquez-moi à propos du Baroque. Bien, le Baroque, c'est un endroit où on aime présenter des groupes. On est axé beaucoup sur la culturelle de la ville de Saint-Jean. On aime offrir aux gens la possibilité de venir voir des spectacles pour pas trop cher, avec une ambiance super dynamique. Les soirées sont très, très variées. On passe du jazz au métal. On sait pas trop ce qui s'en vient de semaine en semaine, mais ce qu'on aime surtout, c'est offrir la chance à tous les styles parce qu'on aime ça quand c'est varié. L'artiste de ce soir, Thomas Hudson. Oui, Thomas, on l'aime tous à Saint-Jean, tout le monde le connaît, c'est une perle, c'est tout un artiste vraiment complet. Il est autant dans le théâtre que dans les arts, que dans la musique. C'est auteur, compositeur, interprète. Là, ce soir, il est avec deux musiciens, Guillaume Martin Laval et Louis Boucher. C'est la première fois que je le vois en trio, puis c'est vraiment spectaculaire à voir. Si vous avez la chance d'aller le voir quelque part, allez-y, je vous encourage fortement. Alors, Thomas Hudson, j'ai remarqué, c'est un artiste très talentueux, mais il a aussi un côté très humoristique. Bien, comme je disais, c'est un artiste tellement complet. Il fait dans tous les styles, puis dans l'humour. Écoute, on peut pas s'empêcher de rire avec lui. Des fois, on a envie de pleurer, des fois de rire. Ce soir, Thomas, il est là, il fait le spectacle, mais on lui a roulé sur le pied en voiture, sans blague. Il demande de la glace depuis qu'il est arrivé. Il est solide comme une tonne de briques. Néanmoins, bravo, Thomas. Chapeau. Et la bombe en l'air.